Eh bien écoutez, bonne année à tous déjà pour débuter cette petite session Animal Crossing pour ceux qui sont avec moi en stream, merci beaucoup encore une fois. Et on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans Animal Crossing. Déjà ils ont de la neige, les chanceux, moi j'en ai pas, j'aimerais en avoir. Merci de nous en amener à Bordeaux. Voilà, je sais que dans le nord de la France, là vous commencez à en avoir. Pareil en Suisse et tout, donc les amis du nord de la France, les amis suisses, faites des petits paquets. Voilà ce qu'on disait sur le stream juste avant. Vous mettez de la neige, vous faites scrunch, 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 scrunch. Vous refermez, c'est le bruit du scotch, et vous me l'envoyez. Voilà, tout simplement. Ça peut être très chouette, hein. S'il vous plaît. Très belle année à vous, chers résidents de l'île, qu'elle vous apporte bonheur et prospérité. En ce vendredi 1er janvier 2021, il est actuellement 12h45 sur notre belle Valhalla. Je n'ai pas de grandes nouvelles pour vous aujourd'hui. Bah c'est quand même le premier de l'an, connasse. Mais j'aimerais vous parler d'un sujet de saison. Ah, quel froid glacial aujourd'hui encore. Mais quel meilleur moyen d'oublier le froid que d'aller s'amuser dans la neige. Si vous sortez faire un tour, cherchez des boules de neige et poussez-les délicatement. Une fois qu'elles ont atteint une bonne taille, empilez-les. Ah, Yetiti. Ok. Ok. Donc c'est plus le bonhomme de neige, c'est le Yetiti. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir. J'essaie de te faire ça demain quand j'arrive à mon chalet. Mais stop toi en fait. Stop. Mon chalet, ma neige, ça suffit maintenant. Bon, hein. Merde. Envoie de la neige. Chut. Envoie de la neige plutôt. Banque. Ah. Bon, voilà, je peux pas l'argent. Mais ça nous nargue en plus. Bonne année à tous. Et le bruit de la neige, ça fait scrunch scrunch la neige, on est d'accord, on est tous d'accord là-dessus. La neige fait scrunch scrunch. Voilà, évidemment. Évidemment. Allez, on arrose un peu nos roses quand même. Et ça nous nargue, ça nous nargue, ça nous nargue. Oui, moi j'ai de la neige, monsieur, voilà. Même plus que dans Animal Crossing. Oh. Suffit, oui. Bon, non, profites-en bien au contraire. Des amis m'ont déjà ramené de la neige dans un pot à café. Ok. Oui. Non mais au moins ça a le mérite d'être original. C'est-à-dire que c'est les amis radins, tu vois, genre... c'est ton anniversaire, on a décidé de te ramener de la neige dans un pot à café, quoi, tu vois. Voilà. Excellent. Ah, c'est un peu éphémère, mais bon, c'est sympa. C'est sympa. C'est un peu éphémère, un petit peu. Meilleur vœu, merci beaucoup. Enfin, j'ai trouvé ton live Twitch. Et bien pourtant, il y a le lien sous toutes mes vidéos YouTube en plus. Un pot à café Nescafé, yes. Neige café, du coup. Parce que c'est pas Nescafé. Bon. Pardon. Ça passe... Non, ça passe bien, neige café, ça passe bien. Ça va. Ça va. C'est pas le pire jeu de mots que j'ai fait. J'ai fait pire. Bon alors attends, il y a vraiment rien à acheter aujourd'hui chez eux. Il y a vraiment que dalle. Oh là là. Non mais les gars, vous avez rien à vendre. Oh là là. C'est honteux. C'est honteux. Du coup, ils vont juste me souhaiter la bonne année. Tiens, attends, on va aller voir ce qu'ils ont. Bon, hier on a chopé tout ce qui est pétard et petit chapeau là de fête. Mais à part ça, bon. Est-ce qu'ils ont des trucs sympas aujourd'hui ou pas? Il y a une robe feuille. Bonjour. D'accord, donc en fait tu me souhaites pas, tu me souhaites pas bonne année. D'accord, très bien. Mais c'est les mêmes trucs qu'hier. Ah non, oula. Ah putain, c'est des petits trucs de ski. Excellent, en fait. Tenue de chef, ok. Je vais en acheter une. Je vais en acheter une quand même. Tu sais quoi, je vais en acheter une. Couronne, 1 000 000, je l'ai déjà. Masque d'anonymat. Il faut porter... J'aime bien. Tu sais quoi, on va faire ça. On prend ça. On prend ça aujourd'hui. On va changer de chaussure. On va porter ça. Allez, on porte ça, vas-y. Oui. Oui. La veste de ski est sympa, mais c'est pas oufissime non plus, tu vois. Non, j'aime bien, voilà, ça fait un petit peu... C'est sympa, ça fait un petit peu serveur, tu vois. Au Japon, c'est déjà le 2 janvier. Bah non. Bah, bien sûr que non, il est 20h. Il est 20h50, là-bas. Je suis à preuve du contraire, à 20h50, on a encore le même jour, hein. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette fausse information?
Qu'est-ce que c'est que cette fausse information? Alors. Je sais plus si. Ah oui, j'ai la baguette fluo. Salut à ceux qui débarquent! Petite baguette fluo là qu'on a récupérée hier. Elle est tellement belle notre île en vrai. Tellement belle, je suis tellement content de ce qu'on a fait. Merci Tiff! Tiff qui est le deuxième sub de 2021. Merci beaucoup, bonjour, bonne année à toi! Le deuxième gros sub de 2021, c'est toi! Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, et Tiff qui fait le premier cheers de 2021. C'est magnifique. Merci beaucoup, Tiff. Merci beaucoup. Et merci de vos jolis vœux pour 2021. Et je vous souhaite tout le meilleur aussi, évidemment. Évidemment. Et que vous soyez surtout heureux. Le bonheur, la recherche du bonheur, évidemment. C'est le plus important. Merci, Ekim, pour ton resub également. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci beaucoup, tu es le troisième. Je vais les compter. Je vais les compter. Je dirais 3, 4, etc. Maintenant. Voilà. A chaque fois qu'il y en aura un, je donnerai le nombre pour 2021. Merci beaucoup, merci. Heureux de débuter cette année avec toi, continue de régaler. Yes! Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, Clocky! Clocky qui redébarque, ça fait longtemps. Pour son 17e mois, merci beaucoup, Clocky. Ça fait plaisir de te voir. Trop mignon. Merci beaucoup, et on a un train de la hype qui vient de se déclencher. Oh yeah, le premier train de l'année, du coup. Le premier train de l'année. Le premier train de la hype. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chez eux et qui sont pas chez eux? J'ai jamais trouvé les derniers fossiles en fait. Et Sarada! Merci beaucoup! Il fait un cheers de bonne année! Alors par contre. Attends, deux secondes. J'avais changé ça. Normalement, je l'avais changé. Voilà, merci, super. Merci, Ekim. Merci de ton cheers. Voilà, je l'avais changé, l'animation. Je l'avais changé, cette animation. Voilà. C'est quand même mieux, parce qu'on n'est plus à Noël. Le Père Noël qui danse, ça sert plus à rien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, Sarada. Merci, Ekim, aussi. On est à 22% du niveau 2. Oh, yeah. Le premier train de l'année. Le panneau de camping. Le panneau de camping. Bah, je l'ai acheté. Je l'ai trouvé. Je l'ai acheté. Lequel? Je l'ai acheté, je l'ai acheté. Tout ce que j'ai, je l'ai acheté. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Je l'ai acheté. Pourquoi tu fais ménage, toi? C'est pas le jour. Allez, on discute ensemble. En vrai, tu m'as manqué. Oh, c'est mignon. C'est moi qui ai fait des marres. Absolument, Clocky. Absolument. C'est vrai. Compte à rebours. Mais bon, ça, on l'avait déjà vu, évidemment. Alors, je t'ai déjà parlé, toi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression que tu essaies de m'éviter cette enceinte. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais lui me tape pas dessus. Ils sont fous ces gens-là. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Merci. Merci beaucoup. J'ai essayé d'entrer mes poumons cette année. J'espère que je ne fais pas peur. Bah non, ça va. Tranquille. Tranquille. Voilà, on est bien. Par contre, pourquoi ils sont que deux? Ouais, ça fait plaisir de te voir aussi. Merci Sarada! Sarada qui alimente le train de la hype. Et nous sommes à 33% del niveau dos. De niveau 2, quoi. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, il y a de la neige dessus. Et bienvenue à ceux qui débarquent! Bienvenue! Normalement, c'est quand tu associes. Je l'ai pas fait, je l'ai pas associé, moi. Je l'ai pas associé, mon compte. Apparemment, tu peux l'avoir aussi quand tu associes ton compte Pocket Camp. D'accord, je l'ai pas associé, Pocket Camp. Ok. Bon bah bonne chose à savoir. Si jamais vous associez votre compte Pocket Camp apparemment, eh bien vous pouvez avoir le panneau camping. Ok. Excellent, excellent, excellent. Merci pour cette info. Voilà, eh bien c'est à prendre comme info. Bon par contre il n'y a personne sur l'île. Ils sont où? Ils font la fiesta. Ils font la fiesta quelque part. Merci Tiff pour ton cheers encore une fois. Merci beaucoup. Trop mignon. Je suis de garde, je lance samedi dimanche. Bon courage, merci à toi déjà, merci beaucoup. Merci de ta dévotion envers les gens comme ça. Merci énormément. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Attends, qu'est-ce qu'on a eu? Et bon courage surtout. Et 39% du niveau 2 du train de la hype. Alors attends. Let's see enjoy, exactement. Ouais, 2021, let's see enjoy. Tout à fait, c'est exactement ça. Ouais.
ma mère bossant dans le médical, DJ, je ne peux que te remercier aussi. Je sais à quel point c'est difficile. Tu sais que je peux bien me parler. Mais je sais bien avec Gruyère, mais c'est juste que. Je t'aime bien, mais bon. On t'a trouvé un jour sur une île en plus. Oh là là. Merci pour mon île, c'est gentil. Ouais, on l'a trouvé sur une île un jour, Gruyère. Et depuis ce jour-là, bon. Voilà. Il est là. Il est là et il nous colle. Ah tiens. Content de t'avoir. Non. Non. Oui. Mais je vais taper tous mes habitants, c'est terrible. Je vais taper tous mes habitants. Meilleure rencontre Gruyère. Ouais, j'avoue que ça a été une meilleure rencontre 2020, tu vois, Gruyère. Clairement, il m'a apporté énormément. Pas du tout. Pas du tout. Bon, on va lui amener des fossiles. Non, le musée est pas du tout terminé. Pas du tout. Pas besoin de crier, mais pas du tout. Allez, on va faire tout ça, on va voir. Voilà. Moi aussi, je l'attends. Merci pour ceux qui ont participé au train de live. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, moi aussi j'attends Harry Potter. J'attends Harry Potter de ouf. Hogwarts Legacy, évidemment que j'attends de ouf, évidemment. Maintenant je préfère me laisser porter. On verra, tu vois, on verra. On se laisse porter et puis on fera ce qui sort. Déjà, il y a le nouveau Hitman qui va sortir dans pas longtemps, ça va être très cool. Mais on verra. Moi je dis on verra. Voilà, on se laisse porter encore une fois. Je vais aller vendre mes fossiles, tranquille. Oula. Pourquoi il met Nicolas, merci beaucoup mec. Oh là, qui a offert des cadeaux à 5 personnes dans le chat. Il sort quand Harry Potter 2021. On n'a pas de date. Merci Nico pour ton sub. Merci beaucoup. Ouais grave, 2020 nous a appris à prendre du recul, hein, grave. Merci Nico qui a offert un sub à Laurine 1207. Ma chère Laurine, je t'invite à remercier Nicolas qui vient de débarquer sur le chat comme ça et puis faire un... Tiens, prenez un sub, bande de malotrus. Je vous offre un sub pour le nouvel an. Voilà. Allez, vas-y. Ça, c'est bon. Ouais, dès qu'on a des infos sur le Harry Potter, évidemment que je vous en donne. Vous savez très bien. D'ailleurs, il y a eu un Gaming News ce matin, donc n'hésitez pas à aller le checker si c'est pas encore fait. N'hésitez pas, voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, paf, il est dispo. Le premier Gaming News de l'année. Mais oui, parce que même le 1er janvier, il y en a un. Voilà. Est-ce que Immortals est bien? Regarde, paf, test. Immortals, bam, t'as mon test complet. Pif, paf, pouf, il suffit d'aller voir. Bim, vidéo d'une vingtaine de minutes qui donnera tous les détails sur le jeu. Encore mieux que mieux. Je crois qu'on est bon. Est-ce qu'on se fait une petite île mystère? Attends, on va aller stocker un peu les trucs chez nous. Avec plaisir, avec plaisir. Ah, je fais une grosse vidéo, on a fait Let's Play en intégralité, qui est dispo en totale rediffusion sur la chaîne secondaire en plus. Donc n'hésite pas si ça t'intéresse de voir un peu plus de gameplay. Et oui, il y a le bilan de l'année 2020 aussi qui est sorti. Exact, c'est vrai que j'ai sorti le bilan hier. Mais je pensais que le bilan allait être la dernière vidéo de 2020, et finalement il y a eu la vidéo sur Pokémon dans l'espace. Et oui, très bon réveillon, j'espère que toi aussi. Ouais, il y a eu la vidéo de Pokémon dans l'espace, cette vidéo avec tant de choses. inséré, rire, gêné. Depuis boulot, coucou Ludo. Ouais, la voix de Lionel Astier, elle est parfaite. Elle est parfaite, totalement. Alors attends. Il est génial, Immortal Phoenix Rising, il est trop bien. Il est génial ce jeu. Il est trop bien. Boîte en carton. Tic tac, je vais stocker tout ça. Ah, il y a les boules de neige aussi, allez checker. Attends, on va stocker tout ça. C'est quoi ça? Couronne de sapin. Ok, gnagnagna. Pétard. Alors, ajoutons non. On peut les stocker ou pas? Ouais. J'en avais acheté 15. Punaise, j'ai pas vu. Ok. Salut, bonne année. Hop, ça c'est good. Allez. Alors. Pa 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 p
On va aller sur une île mystère, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. On va aller voir ça. Avec mon petit haut de forme là. Avec mon petit, ma petite tenue de chef. Ah tiens, je t'ai pas dit bonjour toi. Salut, depuis le temps. Ouais, la fin d'année a été chargée. La fin d'année 2020, en vrai, en termes de contenu, c'était blindasse. Ça fait du bien là, le mois de janvier. Le mois de janvier va être calme, ça va faire du bien. Il va y avoir des petits gaming news avec des petites news. Ça va vraiment faire du bien, tu vois. Là, ça, c'est ce début de mois de... Enfin, ce début 2021 va être calme et c'est parfait. Il y avait besoin de repos. Il y a besoin de... J'ai pas acheté mon ticket. Parce que là, septembre, octobre, novembre, décembre, ça a été blindasse. Tous les jours, il y avait des trucs de ouf. Donc, ça va faire un peu de bien. De se reposer. De prendre bah, déjà, on va pouvoir restreamer beaucoup. Ça, c'est très cool. Ça m'avait manqué. En vrai. Ça m'avait vraiment manqué. Ah oui. Tout exu pendant 0-1. Occasionnel, ils offrent en compensation 500 maïs. D'accord, ok. Très bien. Bon, ça me va. Cool. Échange des maïs, donc. Un peu plus de jeux indé. Bah ouais, je pense, ouais. Clairement. Clairement, ça va être un peu plus indépendant qu'autre chose, là. Le mois de janvier, ça va faire du bien. Ça va être cool. Hein. Ouais, il y a Hitman, mais à part ça, ouais, ça va être du jeu indé. Allez. Oh, on devra avoir des trucs. On devra avoir des trucs jusqu'au. Vers mars aussi. On devra avoir des bonnes grosses annonces. Je pense. Avril. Février, mars, avril, à mon avis, on va avoir des trucs assez top. Merci Zag, qui est un des premiers resubs de l'année également. Merci beaucoup Zag. Merci énormément. Comment c'est mon Lego AT&T? Ati. Yes. Ouais, mais je trouve pas, tu vois ce que je te disais, je trouve pas magnifique en fait. Bah, je trouve pas le truc dans le film, il est impressionnant. Mais au-delà de ça, je suis pas fan du truc. Bah, j'ai surtout le Lego. Et j'ai surtout l'arbre Lego qui arrive. Ça va être trop chouette. Ça va être trop chouette, l'arbre Lego avec la possibilité de changer la couleur des feuilles. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Alors, allez, c'est parti pour une île mystère, ça fait très longtemps. Très longtemps qu'on n'y est pas allé. Merci Tiff, qui a pris un abonnement. Ah, t'as pris un sub carrément payant maintenant en plus. Merci beaucoup Tiff. T'as modifié ton sub Prime, c'est ça? Merci beaucoup. C'est ça en plus, t'as modifié ton sub, non? Ouais, je sais Aline, je sais, ouais. Je sais bien. T'as modifié ton sub, Tiff? T'étais en subprime, non? Sauf si je me trompe, mais t'étais en subprime. Du coup, merci du fond du cœur d'avoir pris un sub payant. Merci énormément. Vraiment, c'est super gentil, ça. Bon, on va y voir. Qu'est-ce qu'on a? On a un fossile qui est là. En vrai, il me manque un fossile. Il me manque un seul fossile. Mais bon, on va le trouver, tu vois. Je vais encore taper les abeilles, de toute façon. Je le sais très bien. Comme d'hab. On a fait la mission, de toute façon, avec les abeilles, donc... Non, il faudrait que... Je vais secouer pour trouver le meuble, en espérant que j'ai pas cassé le mauvais truc. C'est bon. Ok. Ah, voilà, super, c'est quoi? Diffuseur à bâtonnets, excellent. Bon appétit à ceux qui partent. En vrai, non, ce que j'aimerais faire en janvier, je vous l'avais déjà dit, c'est vu que maintenant le jeu a été traduit,
totalement pour... Ah, j'ai plus en tête. Stardew Valley. Je ferais bien une... Parce qu'en fait, j'ai joué un petit peu à Stardew Valley, mais ça fait très longtemps. Je vois quand il était sorti, en fait. Et je me ferais bien une vraie game de Stardew Valley sur Switch. Et voilà, je me ferais bien une vraie game de Stardew Valley. Avec une petite aventure suivie, comme pour Animal Crossing, en fait. Ça pourrait être très chouette, je pense. Et j'avais parlé de ça, j'avais parlé d'autre chose aussi, je sais plus ce que j'avais dit. Je crois que j'avais dit Deus Ex. J'avais dit Deus Ex, Mankind Divided. Non, pas Mankind Divided, l'autre. Human Revolution, le refaire. Je crois. Ça serait trop cool. Ça serait vraiment trop cool en vrai. A voir. Ah, j'en ai loupé un, tiens. Je pensais pas. A voir, mais ça serait quand même vachement chouette. Bon, y a vraiment rien sur ces îles là, donc on va sortir d'ici. Mais Star du Valais, ouais, j'aimerais bien faire ça. J'ai acheté le collector qui est incroyablement beau. Le collector de Star du Valais, il est incroyable. Oui, Garrett Keeper, il est très chouette. Je sais, ouais. J'ai fait ça. Ah, regardez-moi, comment tu vas? Comment il va celui-ci? Yes! Yes! Yes, yes, Graveyard Keeper qui est très sympa. Il a pas été. Attends, il a. Si, je crois qu'il a été traduit, mais en fait, c'est parce que je l'ai eu avant sa sortie. L'éditeur me l'avait envoyé avant la sortie pour Graveyard Keeper. Et il n'était pas encore traduit, ce qui fait que du coup, j'avais bien avancé le jeu. Avant sa sortie. Et du coup, voilà. Voilà, j'avais bien avancé. Il était très chouette. C'est. Oui, c'est comme. C'est un peu différent de Stardew Valley, mais c'est un peu la même chose. C'est vrai. Mais ouais, en plus glauque. Un petit peu plus glauque quand même. Surtout toute la séquence du début. Mais non, il est très sympa, ouais. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Est-ce que je suis sûr que Harry Potter sort cette année? Bah oui, normalement oui. Oui, normalement oui. Après, faut voir avec Warner, hein. Ça, je m'appelle pas Warner. Moi j'espère du fond du cœur parce que évidemment le nouveau Harry Potter je évidemment, enfin c'est pas Harry Potter d'ailleurs, c'est Hogwarts Legacy, mais oui. Alors attends, Sarada qui a offert un sub à Libu, merci beaucoup, merci énormément Sarada. T'as vu, j'ai mis une bouteille de champagne en plus pour les subs. Pour les premiers jours de l'année, j'ai mis une bouteille de champagne en gif. Louis de Garret Keeper, il est sympa. En plus, je l'ai... Garret Keeper, en plus... ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Attends. Par titre. Attends, c'est en G. Regarde. Est-ce que je l'ai retéléchargé sur celle-ci? D-E-F. Il est où? G. Il est où? Attends. Il est là. Ah, il est là, tu vois. Il est là, Garret Keeper. Il est là. Je les ai même pas tous retéléchargés en vrai, les jeux. J'en ai plein qui sont encore sur le compte. Parce que quand j'ai changé de Switch, ils sont pas tous répertoriés là. Ils sont même pas tous répertoriés, les jeux. Il faudra que je les fasse. Attends, expertiser des fossiles. Oui. En espérant que ça soit le fossile qu'on n'a pas, ça m'étonnera un peu. Ça m'étonnera un petit peu. Ah, attends. Oh, mais voilà, évidemment. Oups, je viens de recevoir un mail de Games Workshop. Ne pas l'ouvrir. La meilleure figurine de 21 de 2020 est... Non. J'ai déjà plein de figurines à peindre, ça suffit. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille! Bonjour, bonne année! Il y a quand Call of the Sea en français? Bah il est en français, Call of the Sea. Mais il est en français, Call of the Sea. C'est bien le jeu auquel je pense qu'on a fait. Non? C'est pas le jeu qu'on a fait, Call of the Sea? Bah il est en français, Call of the Sea. Bah, il est en français, Call of the Sea. Alors. Alors. Oui, il est en français, Call of the Sea. Tiens, je vends tout ça. Il est en voix Stéphère. Oui, bah il est en voix Stéphère, il est en français donc. Donc il est en français. Donc il est en français. C'est pareil. On est d'accord. On est d'accord. Il est traduit en français, Call of the Sea. Attends.
bonne année. Bal qui a offert un sub pour 2021. Merci beaucoup. Merci énormément à Jenny. N'oubliez pas ceux qui ont reçu des subs offerts de remercier ceux qui vous en ont offert. Parce que c'est à la fois généreux pour moi, mais généreux surtout pour la communauté, évidemment. Donc n'oubliez pas de les remercier du fond du cœur. Merci beaucoup, Bal. Merci beaucoup, t'as offert 54 subs sur la chaîne. T'es ouf. T'es ouf. Je crois que c'est Sarada qui en a offert, mais je sais même plus combien. Enfin, Sarada, une folie de générosité. Bonne année, bonjour à ceux qui débarquent. Merci beaucoup, Bal. Attends. On va aller stocker ça. J'ai fini d'arroser mes plantes. Hein. 217, mais what? Non, mais Sarada, mais c'est ouf quand même. Sarada qui a offert. Ouais, c'est ça, je vois. T'as 217 subs. Mais merci, mais encore merci. Sarada, c'est ouf. Merci encore pour 2020 aussi. Mais merci du fond du cœur, vraiment. Merci à tous ceux qui aident la chaîne d'ailleurs. Même ceux qui sont là tout simplement en train de regarder. Parce que ça aide aussi, évidemment. Donc merci du fond du cœur. Vous êtes des amours. C'est de ça que la chaîne vit en plus, donc c'est top. Hein. Bon, on va peut-être aller juste replanter 2-3 roses noires, vite fait, là. Histoire, parce qu'il y en a qui sont un peu au mauvais endroit. Genre celle-ci, elle est mal placée. Voilà. Celle-ci, elle est mal placée. J'aurais bien aimé que Runard vienne un peu plus souvent aussi. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faudrait qu'il change. Hein. Runard ne vient pas assez souvent. Non, pas celle-ci. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Fantasse. Mais ouais, Runard, moi je le veux plus. Plus. Et malheureusement, il vient jamais. Petit sacripant. C'est tellement calme, ça fait tellement du bien. Je dis à chaque fois, mais... Oh, Lenny, merci beaucoup. Hop, pour le début d'année, merci beaucoup, Lenny, merci du fond du cœur. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va virer ça. T'as oublié d'acheter le premier jour le tableau? Et je l'ai pas revu. Non, non, mais en fait, il vient très très peu. Genre, je crois qu'il vient... ouais, c'est une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines. C'est très très peu, il est quasiment jamais là. Hein. C'est une angoisse, ça. Mais du coup, personne n'avance avec les œuvres d'art, à part si tu cheats, et moi je cheat pas. Mais non, non, c'est vraiment angoissant. Ouais. Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord là-dessus. Okay. Attends, je vais peut-être les réarroser quand même. Ouais, non, mais il vient quasiment jamais. Arroseur doré. J'ai même plus de pépites d'or en plus pour terminer tout ça. Je vais mettre là. Il est pas là, mon petit Mara. Il est parti. Il est venu en coup de vent. Il est venu en coup de vent en plus. C'était juste pour caser que Graveyard Keeper c'était bien. C'est juste ça. Squatter l'île d'autres personnes qui l'ont. Oui, c'est vrai que ça marche. C'est vrai. C'est vrai, ça marche aussi. Tu peux aller acheter des œuvres d'art. Bon, je crois qu'on est bon là. Faut un petit tour de pêche quand même pour terminer. J'en ai une sur moi, j'en reprends une. J'en ai deux ou une? J'en ai qu'une. On va reprendre une deuxième ici. J'en ai mis plein sur la plage au cas où. Ça commence à se raréfier d'ailleurs. Tiens, on va aller prendre ça. C'est le premier poisson de 2021. On va encore avoir une vieille perche. Ah non, bon, c'est voilà, ça va. Ça va. Un petit calamar pour débuter 2021, ça va. C'est cool. Ah bah tiens. Ah, ça c'était du gros poisson, ça. Ça c'est du gros poisson. Allez, vas-y, viens. Bon, il va revenir. Je comprends même pas pourquoi il est parti. Je trouve que à cet endroit-là, à chaque fois qu'on a un gros poisson, il s'échappe. Et je sais pas pourquoi. À chaque fois qu'il vient là. Quelle angoisse! À chaque fois. Et pourtant, j'appuie au bon moment, tu vois. Je ne sais pas. Je sais pas du tout quels sont les nouveaux poissons du mois de janvier. Je sais pas du tout. Ouais, c'est dommage. Je sais pas du tout.
Ah bah tiens, bouteille amère. Ah mais non ça. C'est quoi comme plan? Chaise longue tronc. Je l'ai pas ça. Qu'est-ce qu'on a fait sur Animal Crossing? Eh ben on se balade, on fait nos petits fossiles, on fait notre petite vie tranquillement, sans stress, nous vivons la vie à la belle étoile. Oh, il y a Control que je voulais refaire aussi. Il y a trop de choses que j'ai envie de faire dans ce début d'année 2021. Quelqu'un peut me rappeler combien de temps Control met en ligne droite, entre guillemets? C'est 15 heures, je crois, hein. c'est pas beaucoup. Hein. Summer, toi qui l'as fait il y a pas longtemps, c'était 15 heures, non? Et après, il y a le DLC, bien sûr, avec Alan Wake et tout. Je crois que c'est 15 heures, 15-20 heures, c'est pas très long. Il est pas très long. Avec les DLC. Ah, mais il est pas parti, finalement. Il revient quand il y a des trucs qui l'intéressent. Ouais, c'est 15-20 heures. J'aurais dit 20 heures avec les DLC, ouais, c'est ça. Avec le DLC. Tu sais que je l'ai pas fait, le DLC d'Alan Wake, en plus. Je l'ai pas fait, le dernier. J'ai acheté l'édition, j'ai acheté la grosse édition sur PC. Mais non, mais t'inquiète pas. Mais pardon, n'importe quoi. Non, ça me faisait sourire, justement. Bonne app à toi. Et bonne année, encore une fois. Ouais, 20, j'aurais dit 20 aussi, parce que je crois que c'était 14-15 avec le classique. C'est quoi, on va recommencer. On va le recommencer. Sur Xbox Series X, il est dans le Game Pass. Mais il n'y a pas les DLC, donc bonne année, les cœurs sur toi. Ouais, je pense qu'on va peut-être commencer par ça pour 2021. Ça va être le premier Let's Play 2021. Ouais, on va faire ça. Ouais, j'ai envie de faire ça. Ouais, tu vois, on se comprend, on se comprend. Les gens bien, c'est tout, il n'y a rien à dire, les gens bien. Les gens bien. Non mais vraiment, tu vois, genre, c'est vraiment un jeu tellement bien. Je pense que, enfin, tu sais quoi, on va peut-être commencer, peut-être faire un premier épisode là. Pourquoi pas après Animal Crossing tout de suite. Sur la série X. On va faire sur la série X parce qu'il a été optimisé en plus. Ah bah tiens, une perle. J'ai pas compris grand chose quand même. Disons que, ouais, elle est un peu. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est une espèce de toile d'araignée en fait. Hein. Ouais, c'est une espèce de toile d'araignée. Le jeu est une toile d'araignée. Mais par contre, le fait que Remedy ait tout mis en même temps avec Alan Wake et tout dedans, je trouve ça incroyable. Mais les productions de Remedy sont incroyables. Et je persiste à dire et à signer pour le fait que la version Switch est top. Je trouve ça incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Le mettre en cloud sur la Switch et qu'il tourne aussi bien. Forcément, il est en cloud. Mais c'est chouette et ça promet vraiment pour l'avenir. Ça promet vraiment pour l'avenir. Bon. On va le trouver son émetteur ou pas? Il l'a perdu dans l'eau en plus. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne un meuble, je crois, lui. Bonne année à ceux qui débarquent. Chifours, ça, on sent le fan de Pokémon. On sent le fan du DLC de Pokémon. Yes. Tiens, viens. Mais ouais, non, il est ouais, critique, ouais, ouais, tiens, c'est comme ça. Des objets de type piraterie. C'est vrai, la dernière fois, il avait donné un chapeau de pirate, je crois. Trop stylé. À Outward. Est-ce que je l'ai fait à Outward? Je crois que je l'ai pas fait. Tu sais que je l'ai pas fait à Outward. Attends, je vérifie, mais je crois que je l'ai pas fait. On me l'a conseillé. Oui, je confirme que je l'ai pas fait à Outward. Je confirme. Ça vaut quoi? Oh, je vais relancer encore avec les DLC plus maintenant. Je l'ai pas fait, tu vois. Elle sort quand la première? Bah quand j'aurai le temps et envie. Voilà.
quand j'aurai le temps et envie. C'est une chaîne qui, j'avais dit, hein, un contenu de temps en temps quand j'ai envie. Bonne année. 4 ans que je suis. Eh ben du coup ça fera 4 ans en mars, ouais. C'est vrai, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah c'est adorable. Merci beaucoup. Et bonne année à toi aussi. C'est vrai qu'en mars, ça fera déjà 4 ans que je fais ça. Enfin que je fais ça. Pas pour en vivre, mais ça fera 4 ans que j'ai commencé. Puisque ça, j'ai commencé à en vivre un an après, un an et demi après. Psychopatate, merci beaucoup pour ton resub. Merci beaucoup, un des premiers subs de l'année 2021. Merci beaucoup. Bonne année à toi. Bonne année. C'est bien Gungi comme j'aime, hein. Un super RPG un peu dans la tradition d'un Oblivion. Oh, tu as sorti le mot Oblivion. Tu as sorti le mot Oblivion. Tu as sorti le mot Oblivion, c'est bon. D'accord. Ok, d'accord. Je vais y jeter un œil d'un peu plus près. Voilà. Ok. Dans la veine d'Oblivion. Très bien. Oblivion qui surpasse de très loin Skyrim, on ira rien. Skyrim qui est très bon. Et voilà. Je laisse un peu de temps pour se décanter. D'accord. Salut Mister Vietta. Perso j'adore. Non mais je vais jeter un oeil. C'est dispo sur. C'est que PC ou pas? Ah non, il est dispo partout en plus. PS4, Xbox One, Stadia, PC, Linux. Ah ouais. Je le garde ouvert. Je le garde ouvert. Sur le côté. Ah mais c'est Deep Silver qui a fait autour. Mais si. Mais attends, mais ça. Ah putain, je l'ai reçu, j'ai pas eu le temps de le tester. Mais je me disais bien que ça me disait quelque chose. Mais attends. Attends. Ça me dit quelque chose. Non, attends, ça me dit quelque chose. Si. Si, je me souviens du début, je crois. Attends. Non, je crois que je l'ai reçu, mais j'ai pas eu le temps de le tester. Gridfall, rien à voir que ça, je l'avais fait. Ça me dit quelque chose. Si. Alors attends, ta question. Outward, du coup, si c'est celui auquel je pense, c'est pas genre l'expérience est super compliquée à gagner au début. C'est pas ça. Mister Vivetta, merci beaucoup. Merci beaucoup. 18e mois. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci beaucoup. Et je crois que ça fait 18 mois qu'on est sur Twitch, c'est ça. Bah tout pile, ça fait un an et demi, tout pile. Ça doit faire un an et demi tout pile qu'on est sur Twitch. Je crois que si c'est celui auquel je pense, tu mets énormément de temps à gagner de l'XP. Si c'est dur au début, tu le fais pas. C'est ça. Et bah j'avais testé le début. J'avais testé le début. Et j'avais eu du mal à accrocher. Je me souviens. Si, je me souviens d'Outward. Du coup, j'ai pas trouvé trop de similitudes. Similitudes. Avec Oblivion. Parce que du coup, moi j'ai dû jouer 3-4 heures, honnêtement. Et j'avais pas réussi à accrocher. Et honnêtement, quand j'arrive pas à accrocher sur les 2-3 premières heures comme ça, j'arrête. Parce que je me force pas à jouer à des jeux, voilà. Mais si, j'avais testé. Et qu'est-ce que tu trouves comme similitude? Pourquoi je dis similarité? C'est ignoble! Similitude avec avec Oblivion, du coup. Bon, j'aimerais bien trouver son truc là, son émetteur. C'est pas le cas. Bonne année à tous les débarques. Merci beaucoup d'être là. Enfin, t'inquiète pas, on en parlera. Hein. Occupe-toi de ta cuisine aussi, je sais que t'es en cuisine. Le mec il veut pas du tout le laisser. Non! Tu ne cuisines pas, tu m'expliques. Bon. Ah, c'est peut-être là. Enfin, ça va être une algue. Je cherche son émetteur, mais c'est impossible à trouver. Anémone, pas algue. Putain, je l'ai trouvé en plus. Mais attends, mais. Je l'ai trouvé au début en plus. Je suis tellement en train de parler avec vous que. Je suis tellement en train de parler que je l'avais même pas vu, tu vois. Ça avait l'air top ton menu. Yes! Ah bah moi la cuisine, évidemment. Ouais, j'ai fait plein de petites choses, plein de petites verrines, des petits trucs, trop bien. C'était trop bon. C'était trop bon. Comme d'hab. As usual. Et merci. Ouais, une ode à l'aventure très ouvert. Bah très ouvert, je l'avais vu, mais
En fait, c'est peut-être, je sais pas, je pense que c'était l'aspect rigide des combats. Alors, si je dis pas de bêtises, dans mon souvenir, les combats étaient assez rigides. Et du coup, c'est ça qui m'avait complètement sorti de l'aventure. Je crois que c'est ça. Je me replongerai dedans. Mais je me souviens, parce que c'est Cormedia qui m'avait envoyé ça. Et du coup j'avais... c'était sympa, hein, mais j'avais vraiment eu du mal à accrocher. Mais ouais. Allez, Gulliver. Ok, parfait. Je vais sauver les plumes, mais ouais, je sais. Ouais, c'est ça, le corps à corps est rigide au début, on est d'accord. Ouais, c'est surtout le début, bah oui, je suppose qu'après t'as une montée en puissance qui fait que... au secours du naufragé. Ok, je l'ai fait 10 fois. Mais c'est ça en fait, c'est que moi je pars du principe qu'en fait, un jeu vidéo, si j'accroche pas les 2-3 premières heures, je le laisse. Alors, c'est des fois un peu dommage, et du coup, quand j'ai des bons retours comme le tien, là, du coup, ça me donne envie d'y retourner pour essayer de voir. Mais en général, j'en fais tellement en même temps que je m'attarde pas sur les jeux où les 2-3 premières heures, je m'emmerde en fait. S'il y a un truc qui m'emmerde, je force pas, tu vois. Mais de ce que tu me dis, ça a l'air vraiment cool. Je vais le faire en privé à ce moment-là. Je vais le faire en privé, je vais essayer de l'avancer pour voir. Si jamais j'ai du plaisir, je continue. Sinon, je réarrêterai, mais. Mais je sais plus sur quel support je l'avais fait. Attendez, je regarde. Bon, allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter notre petit... C'est quoi ça? Commode sirène. Je l'ai pas déjà, ça? Non, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et à ce moment-là, on va commencer contrôle, tiens. Ça peut être plutôt sympa. Voilà pour ce petit épisode du premier de l'an. Avec pas grand-chose pour le premier de l'an, mais il y avait des choses pour hier, donc c'était plutôt cool. Hey, hey, Fabino. Down, down, before we go.